Oula, j'arrive, j'arrive. Normalement, c'est bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait là. On devrait être bon. Oh, j'ai vraiment une coupe de merde. Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui, alors, live qui n'était pas forcément prévu. Putain, je me suis vraiment coupé au bordel, vache. Live qui n'était pas vraiment prévu, mais un peu quand même. C'est-à-dire que. Je suis allé jeter un oeil parce que j'ai reçu des notifications par mail de la part de Twitch et j'ai découvert qu'il me manquait une demi-heure de stream pour devenir affilié. Alors du coup, on va le faire. Hein. Entre autres pour ça, mais aussi parce que bah, je n'ai pas fait de live depuis plus d'une semaine. Mais j'étais un peu claqué la semaine dernière et puis pas trop dans le mood. J'avoue que j'étais dans une semaine assez. Écoutez, je vais pas vous mentir. J'étais Kenuit qui est arrivé. Je me suis remis à Main Asuka que j'ai pas touché de Tekken depuis le 7 et j'ai pas touché depuis genre 3 ans, 4 ans. J'ai un peu perdu la main, mais j'étais content. Et donc du coup, bref, voilà, j'étais un peu occupé cette semaine, quoi, finalement. J'étais et pas drôle dans le mood, et un peu occupé, et puis j'ai quand même réussi à vous sortir une vidéo, c'est déjà pas mal. Et surtout, je redoute le moment où je vais relancer Pokémon, j'ai pas du tout envie de le faire, mais bon, bah, c'est comme ça. J'ai dit je le ferai, mais j'avoue que là. Gigaflemme. Alors, j'ai même pas lancé le jeu, c'est un peu con. Ça se trouve, il ne marchera pas parce qu'avec les mises à jour, ça peut déconner, on sait jamais. Après, si c'est pas ça, je mettrai autre chose. Hein. J'ai toujours des jeux qui marchent. Genre, Supermarket Simulator fonctionne toujours très bien, il n'y a pas de problème. Allez, ça marche. On est bon, on est bon, on l'est pas, et on est très très bon. C'est évident, ça. On va faire des belles maisons. Alors, je sais pas ce que contient exactement les mises à jour, j'ai pas regardé, je vous avoue. Tout ce que je sais, c'est que c'est la mise à jour de printemps et qu'en général, ils rajoutent des objets, des fois des missions, etc. Donc, on va regarder ça ensemble. Sachant que j'ai aussi mis des missions créées par les joueurs. Et ce sera intéressant à ce moment-là. J'attends juste qu'il finisse de charger et je vous mets la page du jeu juste après. Dès qu'il a fini de charger le début, on va... dès qu'on entend la musique, en fait, je m'occupe de ça. Voilà, hop, mon profil. Alors, en vrai, ça faisait longtemps et ça me manquait. Parce qu'en ce moment, je suis sur Supermarket Simulator. Voilà, c'est bien, mais c'est bon. Voilà quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la mise à jour? On a un nouveau métier, un nouveau travail, pardon. Une nouvelle maison à acheter, 240 nouveaux objets. On prend pas les hotfix, hein. Les hotfix on sait que voilà, c'était prévu. Donc ça, de toute façon, les hotfix, c'est très régulièrement. Enfin, très régulièrement. Depuis qu'ils ont deux jeux à gérer, en plus de leur jeu de coiffure, et un nouveau jeu à sortir dans l'année, voire même deux, c'est plus aussi régulier que sur Super 1 quand ils avaient que un jeu à gérer ou un jeu et demi. Voilà. Donc, ce que Zeta Nantz, bon, je pense qu'ils l'ont un peu laissé de côté, sûr. Alors. On peut. Changer de taille. Et alors, resize item can be recognized. Alors, on peut me remodifier la taille des items. Ok. Ok, très bien. Donc, on a ça dans l'histoire, dans le story mode, c'est là où on veut aller a priori, et dans les modes sandbox. On a un mode sandbox qui existe, on a déjà vu la dernière fois. On risque de s'en occuper d'ailleurs. Ok, maintenant on peut vendre. Des toits et des échelles, enfin des échelles stairs, c'est pas des échelles, c'est des escaliers, ok. On a des textiles qui peuvent être utilisés en surface, ça c'est cool. Nouvelle perk, ça c'est cool aussi. Ça veut dire qu'on peut dormir en fait. C'est une perk pour dormir. Donc ça sent le. Ils vont repasser, je pense, sur Super. Sur ce qu'ils ont fait sur Super assez gentiment. Sachant que la prochaine mise à jour de House Super là, devrait tomber bientôt, et c'est. On la fera peut-être. On n'a jamais fait House Super 1, mais on fera peut-être la mise à jour quand même. C'est une mise à jour où on va devoir refaire un restaurant et le tenir. C'est cool quoi, ça nous fait des trucs en plus. C'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des pétales de fleurs qu'on doit aspirer, très bien. Donc ça va faire une alternative à des. À des feuilles, on va dire. Ouais, bah ça pionce là-bas. J'ai mon chat tout à l'heure qui a fait un giga cauchemar et était à côté de moi, j'ai cru qu'il allait m'arracher la gueule. C'est vraiment passé à ça de ma tronche, quoi.
J'étais à côté tranquillement, en plus je la touchais même pas, j'ai laissé dormir, genre j'étais en train de faire mes trucs. J'étais en train de regarder Twitch à la télé, j'étais sur le chat en même temps, donc vraiment j'étais occupé à autre chose. Et j'ai failli me faire arracher la gueule parce que mon chat a fait un cauchemar et j'ai dû le calmer un peu. Je suis comme ça, moi je calme les gens qui font des cauchemars. Et donc voilà. Donc c'était intéressant. Ça, elle fait régulièrement des cauchemars comme ça, c'est assez impressionnant parce qu'elle se réveille d'un coup en feulant là, c'est terrible. Et c'est genre, si on a le malheur de la toucher, on peut se faire arracher la main quoi. Donc ça va très très vite. Hein, c'est une petite fille très mignonne, mais très. Ah. Alors du coup, on a une mission. Alors je sais plus si on avait fini toutes les missions, je crois qu'on les a toutes faites. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai téléchargé des missions. On verra. En tout cas, c'est cool. Ça fait plaisir de reprendre. J'avais hésité à faire un live, mais bon, comme il manque pas grand-chose. Putain, c'est vrai qu'on avait commencé à refaire la maison entièrement et faire que je la tape entièrement. Ah, putain, j'avais fait un truc bien là. Bouillon. Oh, je t'inspirais. Oh, c'est bien ça. Qu'est-ce que. J'ai bien fait. C'était pas genre juste le côté là qui était avec une fenêtre et tout. Putain, je t'ai modifié. Oh, quel homme. Bon, alors la mission. La mission. On va faire la mission. Non. Putain, attends, quoi? Ah! Effectivement, il y a une nouvelle mission. Bah, let's go, hein. Un nouveau mode de vie plus sain de Nico Ortega. Donc, salut, ma soeur Carole et moi souhaitons changer certaines de nos habitudes. J'ai lu quelque part qu'il faut commencer par ce qui nous entoure. Nous voulons donc transformer une pièce en petite salle de sport. Nous aimerions également passer plus de temps dehors, mais le jardin est envahi par la végétation. Oh, et cette fois-ci, nous avons bien l'intention de garder nos plantes d'intérieur en vie. Après. Pour ma défense, elle a été envahie de cochenilles. Ça c'est un pied de mangue. Il a été envahi de cochenilles. Je les ai toutes niquées. Et là, elle repart. J'ai une nouvelle feuille qui est sortie il y a quelques semaines. Là, même pas quelques semaines, c'était ouais, 2 semaines à peine. Et j'ai une autre feuille qui pousse là. Et j'ai une autre feuille qui pousse là. Et le terreau, il faudrait que je le refasse. Je pense qu'il faut que je la replante de manière générale. Il faut que je le refasse entièrement le terreau. Mais j'ai l'autre plante que j'avais réussi à récupérer, que j'avais réussi à faire revenir, revivre gentiment, qui était censée, ce qui était une plante qui était sur l'application Phoenix. Et comment dire que j'ai des chats. Donc j'avais réussi à la faire repartir, à sauver les quelques feuilles qui étaient pas mortes, etc. C'est pas une monstera, c'est une. J'aurais fait plus gaffe, les chats, ça peut les buter, je crois. Non, c'est pas une monstera, c'était une. Comment ça s'appelle? Mais bref, là maintenant il me reste 3 feuilles qui sont en train de mourir sur place parce que j'ai fait ce que je pouvais. Il y avait eu des pousses qui ont recommencé et les chats, dès qu'ils pouvaient, ils les bouffaient. Donc j'en ai eu 4-5 qui ressortaient comme ça du sol en fait, hein, du terreau. Et rip la plante quoi. Voilà. Donc bon, bah, c'est pas grave, je t'en fais pousser sur le balcon, ça commence déjà à pousser, c'est bien. J'ai juste les hysopes qui poussent pas, je ne sais pas si c'est moi qui me suis mal pris, faudra que je revérifie cette histoire, mais bon, je pense pas. Alors, je voudrais également profiter d'un coin lecture, j'ai même quelques livres dans des cartons depuis un moment. Carole aimerait aussi apprendre à cuisiner, alors elle veut des nouveaux équipements de cuisine. Merci beaucoup, Nico. Bah, let's go! Allons nous occuper de cette mission. Une mission de riche, encore une fois, hein. Mais bon, on a compris que dans Housekeeper, c'était que de la richesse, on n'a pas le choix, faut faire avec. Mais quelque part, c'est pas grave, c'est pas méchant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On invente des trucs. Oula, oula, oula. Pourquoi je suis direct là-dessus? Bah, Donne-moi la main. Ah, la main, c'est pour acheter. Donc, vraiment, c'est juste. Attends, la poubelle. Donne-moi les déchets. Les déchets. C'est tout? C'est tout. Ok, avec 100 déchets. Très bien, ça me va. Bon, faut vendre tout ce merdier, j'imagine. 3, ça va être sympa, tiens. Ah oui, attendez, c'est pas les plantes d'intérieur qui sont mortes en fait, là, on est déjà sur les plantes d'extérieur qui sont fusillées. Moi, la plupart de mes plantes, elles ont survécu. Hein. Alors que c'est dans des petits pots. C'est terrible. Hein. Ouais, non, mais toutes les plantes sont mortes. Oh, peut-être qu'on. Putain, le fait qu'il y ait ça maintenant, ça se trouve cool. Il me semble qu'il y en avait déjà dans le Super 1, mais pas aussi bien. Autant qu'on y est, on voit aussi un arbre. Ok, il en reste ici. Ah, aïe, ça s'enfonce dans le jardin en fait. Regardez-moi ça, il y a une souche et tout. Là, en fait, on fait toute la devanture. C'est trop bien.
Donc ouais, ça c'est le printemps quoi. Ça m'aurait étonné qu'on fasse pas du tout de trucs comme ça. Je veux dire, c'est quand même censé être la mise à jour de printemps. S'il y a bien un truc qu'on foutrait dans la mise à jour de printemps, c'est des plantes quoi. Donc ça c'est bon, on a tout viré. Maintenant on va acheter. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Deux lampes d'extérieur. Ok. Ok, je vais les mettre. Attendez. Je vais les mettre près du chemin, je disais. Donc on va en mettre une là. Ouais, s'il te plaît. Voilà, nickel. Et une là, je pense. Ici. Ici, là, c'est bien. Là, c'est bien, là. Ah, il y en a 4 à mettre. Je crois qu'il n'y en a que 2. J'ai pas fait gaffe. Hop, on va mettre une deuxième ici. Et puis. Une là, une là, une là. Bon, on va mettre une là, hein, du coup, en tant qu'à faire. Voilà. Comme ça, on est raccord. Donc ça me paraît bien. En vrai, c'est pas parfait, mais bon, j'avais pas trop les feux pour l'instant. Si j'ai une idée qui me vient, tant mieux, mais je pense pas que j'en aurai. Alors, des buissons, c'est typard. Petit buisson, petit buisson. Je peux pas le mettre ici, le buisson. Clairement, ça va pas le faire si je le fous là. On n'a plus de. Non, il n'y a plus ça, c'est dommage. Ça manque. Je trouve que ça manque d'items. Ah non, c'est pas ça que je voulais. Attends, ça dépend, c'est quoi? C'est gros ça ou c'est petit? Les spiralés, mais. Ça doit être faisable, ouais, si j'utilise ça. En bordure, ouais, je peux mettre ça en bordure comme ça. Je pense. Faut voir, faudrait que je plante un truc au pied du. De ça. Alors attendez, parce que ça c'est le buisson. C'est très gros un buisson. Je pense que c'est ce qu'on a de plus gros. Donc on va essayer de trouver une place pour ce buisson. C'est votre buisson. Aïe aïe, merci DarkTech. Grâce à toi, j'ai pas la rêve de ce truc de base, mais je connais DarkTech, c'est pas mal. Alors, on va mettre un comme ça. Alors, je suis le truc, très bien. On va mettre un comme ça. C'est con, hein, mais là, je l'ai un peu décalé. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le décaler tranquille. Ouais, je pense qu'on est plutôt comme ça. Ouais. Ça, ok. Ensuite, on a des pensées. J'adore les pensées, c'est de très belles fleurs. Et les jonquilles, j'adore les jonquilles. Tout ce qui est narcisse et jonquilles, c'est trop bien. C'est trop beau. Et ça pousse, mais vraiment. Ça pousse très facilement, quoi. J'adore ces plantes. Alors, il en faut combien, par contre? J'ai pas fait gaffe. Il en faut 4. 4 narcisses pour 12 crocus. C'est beau aussi, les crocus. Ça fait des. Les crocus, c'est joli, ça fait des pétales, c'est transparent. J'adore les fleurs. Croirais pas comme ça. Alors l'aspirer, franchement j'en ai que 3. Je me dis que pourquoi pas les mettre à peu près à distance ici. Genre une là. Une là. Une là. À peu près, on n'est pas. Ouais, je peux décaler un cran ici. Non, même pas, je crois que c'était mieux avant en fait. Cette phrase des boomers, non, c'était mieux avant. Ah oui, c'était mieux avant, oui, quand on pouvait encore respirer de l'air pur. Ouais. Alors, 4, 4, il en faut 4. Alors, c'est typard, il faut 4. Une. Alors après c'est plutôt en massif en général. Est-ce que je gagnerais pas un peu de temps à le mettre comme ça, là? Comme solo? C'est un petit bloc. Un petit bloc de narcisse là. Bien ça. J'aime bien les narcisses, c'est beau. Les pensées, c'est très beau aussi, j'adore les pensées. En pot, c'est mieux, je trouve, mais bon.
En fait, ça fait, c'est les pensées là, comme ça va être posé, ça me fait chier parce que je trouve que c'est pas prévu pour ça. C'est vraiment prévu pour faire des parterres, mais bien démarqués, genre de ce genre-là, mais genre un contour, quoi. C'est pas fait pour être. Enfin, je trouve. C'est mon avis. Qu'est-ce qu'on a? On a des tulipes rouges et des tulipes jaunes, c'est ça? Rose? 7 tulipes. Ah, si, bah, c'est jaune, c'est ça. Putain, les tulipes jaunes. Les tulipes, par contre, c'est partie des fleurs que je trouve aux aifetières. Vraiment, c'est très quelconque. Tout le monde en a. Ça pousse quoi qu'il arrive. Vraiment, c'est. C'est une fleur que je trouve. Bof, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que j'en ai 7 avec celle-là. Sachant qu'après, je vais en foutre des couleurs. Je vais essayer de les mettre par ici. Après, effectivement, la couleur des. Je trouve effectivement qu'il y a une grosse couleur avec les. Avec les tulipes. Mais je trouve que la fleur en elle-même est pas folle en fait. Quoi qu'elle est toxique en plus pour les animaux de mémoire, c'est pas terrible. C'est pas terrible, vraiment, c'est pas ouf sur 20, on va pas se mentir. Ça on est bon, et puis c'est absolument. Enfin, c'est pas du tout organique ce que je fais, c'est pas grave. Hop. 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 4, 5, 6, 7, voilà, ça fait 7. Ah, il en faut 12. Ah bah let's go, hein. Attendez, je vais tout refaire. Faut que je replante ça autrement. Tac. 3, 4, 5, 6 déjà. Hop, qu'est-ce qu'on a réussi. En vrai, je pensais décaler, mais j'ai pas besoin de le faire. Et du coup, on va faire la même chose ici. Ouais, même hauteur à peu près, ça va être là. 3. Ouais, bon, c'est pas parfait, tant pis. 3. 4. 5. 6. Bon, en vrai. Ouais, quoi. Oh, c'est loin d'être parfait, mais bah, je trouve que ça manque vraiment de gros buissons, des trucs qui sont vachement bah, buissonnants, comme on dit, hein, c'est le terme. Et c'est pas grave, c'est pas un drame en soi. Mais ouais, les tulipes, ouais, bah, les tulipes, au moins, vous êtes sûr que ça crèvera jamais, quoi. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, ça repoussera au même endroit. Si vous démerdez bien en plus en vous en occupant, ça peut faire replanter, enfin ça peut retomber, donc faire planter des trucs pour l'année d'après, donc il y aura encore plus de tulipes. Ouais, ça marche avec des oignons normalement, enfin c'est un oignon la tulipe, mais c'est pas quelque chose, c'est vraiment pas une fleur que je trouve chouette quoi. Je trouve vraiment très quelque chose, je l'ai tellement vu toute ma vie en fait cette fleur que je. Bon, j'en vois vraiment pas l'utilité quoi. Hop, voilà. Allez, ils ont une petite terrasse, tranquillou. Et c'est parti pour les hostilités. Il faut qu'on refasse tout ce bordel. Ah ouais, non, mais vous voulez pas repeindre non plus, parce que là, c'est moche, en fait. C'est quoi, c'est Barbiland? Bref. Ah oui, ah oui, non, ouais. Il y a du taf, là. J'ai cru qu'il y avait des cafards sur la table. Bah écoutez, let's go, hein. Allez, qu'est-ce qu'on ramasse? Ça, là? Ok, ouais. Qu'est-ce qu'on vend maintenant? Ça, ok. Ça. Mais pas l'assiette, attention, vous noterez l'assiette. La Monster, on vend la Monster. Très bien, c'est bien. Vous savez pourquoi on vend la Monster? Parce qu'ils sont passés partenaires au lit. Aïe, aïe, aïe. J'en ai mis un au frigo, d'ailleurs, peut-être voir que je pense à le sortir. Parce que. Dans l'idée, c'est que je la boive à la fin, quand même, cette petite boisson. Alors, j'ai racheté pour la première fois du Holy depuis décembre. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Oui, ça tient un petit moment. Ouais. J'avais acheté trois paquets. Enfin, trois petits packs, là.
Et ah, ça se vend pas ça? Ah, d'accord, ok. Ah d'accord, ça je le vends, ça aussi. Ça, on vend pas ça, on garde la photo. Ça je le vends, ok. Et qu'est-ce qu'il reste à vendre? Ah ça. J'espère que je pourrai les modifier parce que ça va être dégueulasse. Acheter 13 trucs. Ok. Un four, ouais. Ok. Ouais, ok, bon, c'est moche quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des trucs à vendre encore. Ah oui, oh oui, bah, tout bien manger, hein, c'est sûr. Moi, quand je refais une baraque, je revends tout ce que j'ai à bouffer dedans aussi. Non, on vend pas l'eau par contre, on vend juste la Monster et les donuts. Ok. Non, mais j'ai compris, ils veulent être healthy, alors du coup, ils vendent des trucs. Pas ici. Ok. Ok, bon, on va tout ranger ici. Ici, il faut qu'on achète d'abord les trucs avant de déballer le carton. On sait pas ce qu'on va mettre exactement. Donc, on a un four déjà, le four. Et vous voulez pas changer de couleur, genre le vert dégueulasse, ça va 2 minutes, hein, non? Allez, bon, ok, tout est vert. Non, mais je pense que... Heureusement que c'est pas moi qui fais la maison, parce que là, tu vois, j'aurais tout changé, en fait. By the way, attendez. Oui, j'ai pas fait gaffe, mais il fait des traces dégueulasses là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils veulent une plaque à induction. Ok, bon, on va mettre la plaque à induction. Très bien. C'est très bien une plaque à induction. C'est très très bien. J'en ai moi-même une. Bon, je voulais pas une plaque à induction. Je vous avoue que vu comme elle casse les couilles, je préfère ne pas en avoir, mais j'ai pas le choix. C'était dans la pâte. Vous savez, ces fameux trucs dans la paroi, c'est débarrassé. Alors, bah écoutez, vous avez peut-être du rangement, non, au bout d'un moment, non? J'aime bien ça, en vrai. Ok, ouais, bon, on va faire un truc. Mais tu sais quoi, la vaisselle n'a pas été faite, après, mon gars. Donc tu vas me faire un plaisir de faire la vaisselle. Hop. On peut pas stacker l'un au-dessus de l'autre? What? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Bon, faut que ça dégage, de toute façon, ça me saoule. Ah, mais attendez, c'est quoi déjà? C'est R par alignement. Ah, c'est que c'est pas aligné de bonne façon. Ok, donc ça, hop. Voilà. Alors, on a le grille-pain qui est ici. On va le décaler, on va le mettre comme ceci. Enfin, on gagne un peu de place et on va mettre la boîte à pain, la panière. Hop, la panière. On la met à côté. Qu'est-ce qu'ils veulent? Deux meubles suspendus et deux meubles suspendus comme ça. Donc ça, c'est plutôt des meubles à mettre. Waouh, waouh, waouh. Ok, je. Attendez, attendez, attendez. Non, mais on va peut-être trouver une solution. On va s'arranger. Moi, j'y crois. Regardez comme j'y crois. Ouais, bah regarde, regarde, hop. Hein. Vous savez, le fameux truc qu'on n'atteint jamais parce que c'est trop haut pour nos gueules. Bah voilà, on en a un. J'ai envie de creux. Attendez, ça, faut que je le descende d'un cran en fait. Clairement, ça fait chier. On va le descendre à ce niveau. J'en ai jamais vu des comme ça en vrai, donc je sais pas. Hop. En vrai, ouais, faudrait que je le. Alors, si je faisais ça bien. Ça, je peux descendre d'un cran aussi. On aligne bien tout. Bah, c'est pas ouf, mais écoutez, hein. Ils voulaient, ils l'ont. Je suis content pour eux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à acheter? Une table et trois chaises. Très précis, trois chaises. Hein. Pourquoi pas quatre? Pourquoi pas deux? Pourquoi pas qu'une? Sachant qu'ils sont que deux. On rappelle. On va mettre la table comme ça. Alors, déjà, on a une chaise. Hop.
Deuxième chaise. Hop. Puis bon, la troisième, voilà, elle est là, quoi, elle existe. Et maintenant, on n'a plus qu'à déballer le cartonche. Alors, non. Voilà, qu'est-ce que c'est. Ok, d'accord. Alors, attends. Ok. C'est quoi ça? C'est un bouquin de cuisine. Ok. Changer d'orientation. Ok. J'en ai plein des bouquins de cuisine. J'en ai au moins 5. Est-ce donc... que je cuisine? Pose pas de questions qui fâchent, évidemment. Mais j'ai des bouquins de cuisine. Oui, j'adore ça. J'adore ça, la cuisine, oui. Si je pouvais cuisiner pour d'autres personnes que juste moi, je passerais ma vie à le faire. Mais cuisiner que pour ma tronche, ça me déprime tellement que je ne cuisine jamais. Ah, mais attendez. Je viens de comprendre. On est à la salle. Bah oui. Bah oui, mais réfléchis. Réfléchis, m'a dit. Il sait pas réfléchir, ce garçon. Hein. C'est-à-dire que. Attendez, bon. On va effectuer une légère translation. C'est con, ça marchait pas mal. Ah, mais il veut vraiment pas cet enfoiré. Nique-toi. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, du coup, la louche. La petite pince à cornichon. La casserole. La poêle couverte. Et la casserole. Okay. Et une petite marmite. Hop. Et une petite marmite double. Voilà. Et hop là. Ah, ça se range tout seul maintenant, c'est beau. Quoi, démolir? Ah, faut peut-être que je démolisse le mur, effectivement, oui. Ah oui, ok, on avait un gros truc à faire en fait, j'ai pas capté. Moi je pose tout ça tranquillou, mais en fait, fallait tout casser depuis le début là. Casse-moi tout là-dedans. Ah bah oui, oh, ça c'est rapide, hein. Hop. Voilà. Bon, bah écoutez. C'est fait. On va jeter tout ce merdier. Hein. Hop. On rappelle que si vous n'avez pas la compétence, vous perdez de l'argent à faire ça. Ça vient de faire. Pour la compétence d'abord. Putain, mais il y a des petits persos de jeux de rôle et tout là. Oh là. Eh, ça rend bien. Ils sont chouettes, hein, les designs. Qu'est-ce que ça là un peu? Il a trop bien ce perso là, moi je veux ce perso là. Hein. Qui a un arc de feu avec des flèches de feu là, trop bien. Bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à vendre? Ça. Bon, ça je m'en doutais un petit peu, mais. Alors les plantes, faut qu'on vire les plantes mortes pour mettre des plantes vivantes à la place. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une tâche qui reste, effectivement, je l'ai vu. Nickel. Donc la tâche, c'est parfait. Petit dragonnier là. Attendez, parce que le dragonnier, c'est un grand pot qu'il faut et j'ai pas de grand pot de fleurs. Des tulipes à l'intérieur. Wow, déjà, les tulipes dehors, c'est chelou, mais alors tulipes à l'intérieur, j'ai pas le concept là, j'avoue. Ok, ouais. Un deuxième si tu veux. Okay, on t'en met plusieurs si tu veux, y a pas de problème. Hein. Un petit. Alors, il est où le grand pot? Parce que le dragonnier, faut qu'il y ait un pot plutôt conséquent quand même. Ah, il est là. Ok, ça c'est du grand pot. Avec un dragonnier dedans. Voilà. Dragonnier, c'est plus dur à tenir vivant qu'on le croirait d'ailleurs. Hein. Bah, c'est pas qu'une plante mignonne comme ça, c'est un peu chiant à entretenir quand même.
que ça supporte très vite quand, enfin ça crève très très vite quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas l'eau, quand il y a trop d'eau, quand il y a des trucs comme ça. Si on n'a pas l'habitude, on peut vite se faire niquer sur cette plante. Des tulipes. Hein. Des tulipes. Yes. Elles sont dégueulasses en plus. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a ça, ok. On va mettre ça là. Puis après, on a quoi? Des petits jonquilles. Des petits jonquilles jaunes. Hein. On a des petits pots. Je me suis planté, on dirait. Hein. Ah, je me suis trompé. Hein. Ah, je me suis trompé. Il y a de ça que je me suis planté un peu là. Hop, c'est beaucoup mieux comme ça. Hein. Voilà, là au moins ça loge. Hop, allez, sors de là, toi. Voilà, oh, c'est mieux, c'est mieux. Bon, là, ça rend quand même quelque chose de correct. Après, pourquoi que des plantes d'extérieur pour l'intérieur? Je ne sais pas. Je ne sais pas, non pas qu'il y ait des plantes exprès pour l'extérieur, mais quand même des trucs, on les voit plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, quoi. C'est ma tech. Désolé de balancer toutes ces hot tech d'un coup comme ça, je suis navré. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que tu caches, toi, là-dedans? Des cornichons, et bah très bien, allons-y pour les concombres. Hein, je crois que c'en est, hein, j'arrive pas à bien voir ce que c'est en fait, mais. C'est pas du tout des cornichons. Alors le maïs, hop. Le maïs qui est une catastrophe en termes d'écologie, évidemment. Tout cas en France, ce serait bien qu'on arrête d'en faire, par exemple. Pour une raison très con, hein, ça prend énormément de flotte en fait. Et bah. Même si on a là tout de suite des nappes phréatiques à peu près correctes, l'été arrive, ça ne va pas durer. Et donc oui, le maïs n'est pas le truc qui est trop kiffant à avoir. Du lait. On a du lactose. Lactoséum, ok. Posons notre lactoséum ici. Avec de la farine, très bien, très bien. Ok, là j'ai l'impression de rejouer à Supermarket Simulator. J'avoue, ça me fait un peu chier, mais ok. Pourquoi pas. Qui suis-je pour juger finalement? Qu'est-ce qu'on a là? Ah, bah, du jus de Mintos, bah, regardez, il est là. On a le jus de Mintos. On a plusieurs bouteilles de bon jus de Mintos. Il était très frais ce matin. Ah, ça c'est pas du jus de Mintos, ça, moi je vous le dis. Pas la même couleur. Ouais. Ananas, ok, si tu veux, on va mettre un ananas, pas de soucis. Et des poires, ok, et des poires, j'aime bien les poires aussi, c'est bon les poires, c'est trop bien. En fait, là, les mecs, ils ont fait leur fraîche, leur HelloFresh, là, je sais pas quoi, là, leur machin produit frais, mes couilles qui ressortent les semaines, qui est aussi une petite catastrophe écologique, quand même, on l'oublie pas. Et en gros, ils m'ont demandé de leur ranger, quoi. Attendez, je vais refaire l'alerte, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été. Hop, voilà. Alors. En même temps, bon, je me fight en même temps avec d'autres personnes à côté. C'est un peu compliqué hein, de se faire voir. Quand on balance toutes les conneries possibles. Déballer les cartons et acheter des meubles, des étagères, des pots de fleurs pour mettre des jonquilles, encore une fois, et des crocus. Va d'abord s'occuper des. Oh putain, d'accord, ok. Allez. Yes. Alors effectivement, il y a des trucs à ramasser. Ok, ça se dégage. Ah, tout a dégagé. Ok, bah on fait tout disparaître. Hein, c'est parti. Je trouve ça dommage, mais ok, ouais. Bon, bah moi j'adorerais avoir une pièce comme ça, en vrai. Pas pour faire du modélisme d'avion, quoi, mais ça te fera un bureau, enfin, c'est super. J'aurais mis à faire dedans, franchement, pas cool. Bon, alors qu'est-ce qu'on doit ramasser? Qu'est-ce qu'on doit vendre ici? C'est Tipar, qu'est-ce qu'il y a à vendre? Donnez-moi des infos. La plante morte, évidemment.
Bon bah des fois j'ai des plantes comme ça aussi, mais mes chats les bouffent, donc bah j'ai pas des plantes comme ça souvent finalement. Ok, donc là on a fait tout ce qu'il y avait à faire, ok, ouais, nickel. Et là qu'est-ce qu'on a d'autre ici? C'est bon, on n'a rien ici, pas dans cette pièce, ok, très bien. Cette pièce, ah, voilà. Là. Ah, je me soupçonne qu'on soit chez Nico là, tu vois. Ça sent bien la chambre de mec. Ah, ou peut-être pas. Ah, peut-être pas. Je vais voir après. Vendre, il y a encore un truc à vendre. J'ai vu le dernier truc. Ah, des donuts. Petite gueule sucrée là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Attendez. Là, si j'ai bien compris, j'ai une étagère à poser. Alors, je sais pas où la mettre. Bon, c'est ici, dans le coin là. Ça, quand tu montes, t'as l'étagère, t'as l'espace passé, ça te gêne pas, quoi. Allez, qu'est-ce que j'en sors? What the shit is that? C'est quoi ça? Ah, ok, j'ai compris. Bon, tout ça, t'as ça. D'accord, non, il va falloir que je refasse, que je repense à ce que je viens de faire du coup. Et ça? S'asseoir. Oh, il y avait clairement un budget, oui. Déjà, quand tu peux te permettre ce genre de facétie, c'est que probablement tu avais l'argent pour, hein? Voilà. Et pareil de ce côté-là. Est-ce qu'on a là des... Ouais, bah, alors attends, du coup, ça veut dire qu'il faut que je déplace ça, mais je le mets où? Peut-être juste comme ça, du coup. Moi, je trouve ça moins pratique, mais... Ouais, c'est peut-être moins dégueulasse à faire du coup. Non, c'est pas là. Allez, hop, on range les livres. C'est parti. Waouh, c'est quoi ça? Oh oh, allez donc. Les yaoi là. Hein? On les voit. Hop. Voilà. Bon, elle avait des livres à lire, ça va quand même. 5 livres, je pense que tu peux prendre 2-3 jours et c'est fini. Alors, on va retourner dans cette pièce. Donc là, qu'est-ce qu'on devait acheter? Un téléviseur. Ah, c'est leur fameuse salle de sport, ok. Donc, oui, bon, on a une bibliothèque pour ranger tout le bordel. On va commencer par ça. Alors hop, comme ça on met tout ce boxon ici. Et alors du coup, la télé, on va essayer de la foutre plus comme ça, en hauteur, le plus haut possible. Là, ça sera très bien. Voilà, l'idée c'est pas de se déconcentrer avec la télé, hein, c'est juste d'avoir une télé qui marche quoi. L'enceinte qu'on peut accrocher au mur, ça c'est trop bien. Avant, on pouvait pas le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ils veulent leur truc de gymnastique. Et bah écoute, on va faire ça. Pas devant la porte. Attends, on va mettre... C'est quoi? On va mettre le son derrière. Je pourrais le poser en fait si je voulais. On verra. Attends, je vais mettre au mur déjà. On verra le reste après. À peindre. Ah, il y a des trucs à peindre. Ah, j'ai pas fait gaffe. Peindre quoi? De quelle couleur? Jaune, bleu, rouge vif, vert. Ah ouais, des goûts de chiottes, quoi. Ah, le retour des gros goûts de chiottes, incroyable. Bah écoutez,
On peut essayer de faire un truc. Je réfléchis un peu. Est-ce que je dois utiliser forcément les quatre couleurs ou pas? Parce que sinon je partirais plutôt sur le vert. Ou jaune, un des deux. On va partir sur le vert, attendez, on va partir sur le vert déjà. Hop! Et je vais regarder si vraiment tout passer d'une seule couleur, ça pose problème ou pas. Ok, non, une seule couleur peut, ça peut le faire, très bien. Parce que moi, je voulais pas mettre 50 couleurs, là, j'avoue. On va essayer de faire un truc propre, à mon avis. Donc, je disais ça. Bah, du coup, on va le mettre là, hein. Ça paraît être le bon côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un banc de muscu. Le banc de muscu, on va le mettre là. Tout est calé au fur et à mesure, forcément. Il faudra bien qu'il y ait de la place pour faire un connerie. Ça, on va le mettre là, sur l'écran de temps. Et puis après, bon, voilà, une petite balle, on va la mettre au milieu. Et tout le reste, on va le ranger, hein. Hop, ça me paraît pas déconnant de ranger tout ça. Voilà, c'est ce que je me disais, c'est en deux parties. On va mettre ça là. Les deux haltères là, ici. Le petit à côté. Ok. Et il avait deux petits. Il y avait deux petits, ok, j'en ai déjà. Il n'y en avait qu'un seul, ça m'étonne aussi. Mais... Ok, donc ça c'est... Ah! Ah, mais j'avais pas pensé à ça. Alors attendez. On va la refaire. Je sais pas si je vais pouvoir tout coller en même temps. Pardon, si. Ok, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, une deuxième balle. Une deuxième balle, je peux pas la ranger. Évidemment, je vais la poser ici, c'est pas grave. Des poids. Des poids, toujours des poids. So much poids in my life. I'm tired. Yes, I'm tired. Of course. Alors, attends, on va faire ça comme ça, tac. Celui-là, on va le mettre là. Il y a un poids qui nous gêne, c'est pas grave. Hop. Non, c'est pas un drame, ça. Tac. Voilà. Bon, la zone est faite ici, là. Ok, donc cette salle est faite. Ok. On peut s'occuper de celle-là, maintenant qu'on y est. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? Des plantes et des plantes everywhere, des porte-pots, des tout ce que tu veux. Il veut des trucs, quoi. Donc, très bien. Ah, mais je comprends pourquoi. Alors attends. Et ça, tu veux qu'on décale peut-être, hein? I see what you want. On va mettre ça comme ça. Voilà ça. Ah, c'est pas mal. Attendez, là, c'est pas trop mal. Donc ça. Là, ça, on va le mettre en haut. Récupérer l'autre, on va la mettre là. Et la petite, on va la laisser ici. Parce que j'ai encore un pot à déposer après. Deux pots, mettre d'ailleurs. Oui. C'est des gros pots, en plus, ça vaut le coup de les mettre là. Voilà, un pot et le deuxième, évidemment. Un pot loco, hop! Un troisième, si tu veux. Oh, il y a un handpinner, regardez, c'est beau. Ah, c'est un contre-mur. Oh. Nul. Donc,
Bon. On se doute, hein. Voilà. Paraît plus logique de mettre ça là-dedans. Alors, on a quoi? On a une petite langue. Petite langue. Petite langue, on va la mettre là, la petite langue. Regarde-moi ça, la taille de la petite langue, mon gars. Langue de bœuf, le truc. Ensuite, deux petites comme ça. Donc, ça, on va mettre ici. On va mettre l'autre là, sur le bord. Un peu trop serré, tant pis. Et, ouais, alors ça, j'aurais pas mis un pot plein de terre, mais... Ok, ça c'est bon, on a fait celle-là aussi. Ah, il y a encore des trucs à faire, quoi? De quoi faire ici? Ah, mais c'est vrai que j'avais des trucs à poser encore. On va mettre un pot de fleurs. Un autre petit pot de fleurs, mais petit oiseau. Alors, dans celui-là, on va mettre celui-là. Celui-là, on va mettre celui-là. Oui, j'ai retenu la leçon, c'était plus gros. Hop, ça c'est bon, donc ça c'est... on a fini du coup. Donc il nous reste encore celle-là. Deux pièces à faire, on va faire cette pièce. Alors. Un pot de fleurs poulpe et un pot de fleurs. Ah d'accord, ok, elle est très, très animaux, la demoiselle là. Que des plantes grasses, hein, évidemment, des trucs qui meurent le moins vite. Je crois que j'ai vu un pot sur le mur. Ouais, c'est ça. Donc on va lui mettre des petites fleurs encore ici. Et l'autre, bah, on va lui mettre deux fois les mêmes. Hein, si je te dis. Ah non, attends, on va mettre une là. Une là. Voilà, c'est très bien ça. Il est pas mal là. On est pas mal, mais le jeu me dit que j'ai pas fini du tout. Qu'est-ce que j'ai loupé? Non, c'est pas la porte. Qu'est-ce que j'ai loupé? Attends, parce que ça, moi, pour moi, j'ai fini. Ah, attends, il y a peut-être un jardin à l'arrière que j'ai pas vu. Putain, tous les coups, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. C'est parti, on aspire les feuilles. Ça me fait plaisir d'en faire une petite mission sur un House Flipper. Et comme je l'ai dit, j'ai des missions de... Enfin, c'est pas vraiment des missions, mais c'est des quêtes faites par des joueurs et des joueuses. On les fera peut-être, parce que j'en ai déchargé quelques-unes, mais... Ah, il reste là. Ah, les pétales de fleurs, les fameuses. Ça, c'est bon, on a fini. Alors, ensuite, nettoyage. Vaporiser, c'est parti. On nettoie, on vaporise. On vaporise partout. Hein. Voilà, petit coup de... Un petit coup de vaporisateur et on nettoie. Ah bah ça va redevenir propre tout de suite, hein? La propreté. Ensuite, bon, on a des trucs à vendre, hein. Ça dégage évidemment. L'arbre est mort. Là. Garde le pot. C'est bien, ils ont encore plus restreint le risque de vendre un truc qu'on ne doit pas vendre, et ça c'est cool. Là, je peux pas vraiment pas vendre ça. Si je veux, je peux forcer tant que je veux, je pourrais pas le vendre. Ça c'est cool. Il peut arriver qu'on soit déconcentré et qu'on clique machinalement sur un truc qu'on voit. Que ça ne fasse pas partie des trucs à vendre. Alors, ici il m'en reste un. Ah, là. Là, on doit être bon, normalement. Alors, myrtillier, très bien, ça, très bien, myrtillier. Pensée multicolore, on a parasol, 4 lampes d'extérieur. Alors, les lampes, je vois pas trop où je peux les foutre. Pour le coup. Là, il n'y a pas trop de risque à les mettre comme ça. Ah bah si, visiblement, il avait. J'adore. Bon, une
chaque côté, après, c'est pas déconnant. Ça fait une petite lumière la nuit. L'idée, c'est pas non plus que ce soit éclairé de nuit. Sachant qu'après, j'ai deux petites transats à mettre. Et moi, j'avoue, les soirs d'été, petite transat avec les petites lumières à côté et la discuter avec quelqu'un, c'est pas mal. Voilà. Alors, attendez, il faut juste que je vois comment il est foutu. Comme ça. On a rechangé la configuration pour le coller un peu. Hop. Voilà. Alors. Voilà, la petite lampe ici, et puis comme ça on met une deuxième ici. Autour du. Ouais, c'est plus simple en fait de mettre ça comme ça. Tac. Et celle dans le fond, on va la laisser, je pense que voilà, ça gêne pas. Et puis bon, ça me fait de l'espace, j'avoue. Alors des myrtilliers, c'est bien, ça des myrtilles, j'aime bien les myrtilles. Mettre un là. Deux là. En plus, ça fait des jolies fleurs et les fruits sont très jolis. C'est très esthétique, les myrtilliers. Très bien. Une fois que j'ai pas à dire quelque chose. Pas combien on va appeler, mais j'en aime bien. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut encore des pensées multicolores. Il en reste 9 encore à poser. Putain. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, non, c'est des trucs là. Regardez. Là-bas. Une comme ça. L'autre, on la colle à côté. Voilà. Là, on se débarrasse des moches dans le fond. On n'en veut pas. Et les petits narcisses là, tu vois. Hop là. Comme ça. Get ça, get ça, get ça, comme ça. Get ça le travail là. Tac. Comme ça. Ça, et là, vous me dites, il y a un vide. Effectivement. Mais c'est pas grave, c'est la magie. C'est la magie en... mais j'ai pas atteint la troisième étoile, qu'est-ce qu'il me manque encore? Ah, oh, attends, il y a un garage. Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui, il y a un garage, bah, et ça explique pas mal de choses, c'est bien. Il me reste encore un garage? Ah ouais, bah c'est... Alors là c'est bon, on a fait le tour. Maintenant, faut revendre tout le bordel. Allez, c'est parti. Ils sont écolos, mais ils utilisent un ballon d'eau chaude. Hein. T'as raison. J'ai raison, la team, Paul. Ça. Ah, on va faire un truc. Hein. Allez, hop, voilà. Ensuite, alors maintenant, effectivement, ils veulent se faire des choses. C'est quand même con, vous me proposez un truc que j'ai l'impression que je peux mettre au mur, je peux pas le mettre au mur. Ah attends, faut changer d'orientation. Mais pourquoi lui, faut que je change d'orientation? C'est complètement con ça. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Je trouve ça un peu stupide, mais. Genre les livres, je comprends. C'est des livres. Mais ça, bien qu'on peut l'accrocher au mur, ça fait partie du truc. C'est dans le packaging, quoi. Ça par contre, tu vois. Petite pelle à main, toujours un plaisir ces pelles. Et hop, voilà. Et là, on a tout fait. Ouais, ça. Shift entrée, terminer la maison. Allez. Oui, 34 000 balles, mais je suis pour de l'argent.
Ça s'est fait. Parfait. Bon, écoutez, on a fait la dernière mission, c'est bien ça. Ça fait combien de temps qu'on est en live? Oui, trop de notifs par contre, beaucoup trop de notifs. Oui, ça va faire 1 heure. On va continuer un petit peu. On va continuer à la maison. Alors, est-ce que j'ai une autre mission? Est-ce que ça se trouve, j'en ai une autre, je suis pas au courant. Mais... Non, c'est bon, on a tout fait. Hein. Ok. On va continuer de travailler sur la maison. Alors, on avait fait une belle entrée, ça c'est cool, j'avais bien travaillé là-dessus. Plutôt fier de moi, là, sur ce coup-là. En plus, j'avais fait le truc décalé, comme ça, c'est bien. Excellent, excellent. Alors là, on est à l'intérieur. Il va falloir qu'on fasse un. Est-ce que je vais laisser le vide ici? Je sais pas. Il va falloir qu'on fasse un truc. J'avais refait les fenêtres déjà. Je pense que j'avais changé les lampes. Je réfléchis, parce que là, j'ai envie de faire un truc bien, mais d'un autre côté, j'ai que cet espace-là. Effectivement, on va garder la cuisine. Ça, on peut le garder aussi, je vois pas trop ce que je pourrais en faire d'autre, de toute façon, qu'un placard. Et cette partie-là, c'est la question, est-ce que je la défonce? Ah, je pense que je vais la laisser. Ah, je suis en train de réfléchir, ouais, je vais la laisser avec l'escalier à côté, c'est mieux. Non, bon, on va refaire tout ça, hein. Tout ce bordel, là, ça va changer un peu, et puis on va refaire ça. Le pilier, on peut garder toute cette partie-là, là, qui existe déjà, juste la retravailler en couleur et en matériaux. Mais revoir le reste... Notamment cette partie-là, bah, c'est une partie cassée, quoi, donc je pense qu'on va quand même refaire ça. On va déplacer juste ça pour l'instant, on va le déplacer sur le fridge. Mettez un ordinateur portable au réfrigérateur. Quoi? Je savais même pas qu'il y avait ça. Ok. Pourquoi pas? Voilà, les clés, on va les garder tous. Ça fait partie du package de la maison, quoi. On va essayer de garder tout ce bordel, mais on va faire des changements parce que ouais, c'est bien. C'est un peu relou, quand même. Allez, on va vendre toute cette merde. On va refaire le bar. On va modifier tout ça aussi, hein, tout court. Pas de raison qu'on garde ça comme ça. Les fenêtres vont changer aussi, ça on va les laisser, j'aime bien les spots comme ça, c'est très bien. Alors, déjà, comment on va le définir? Le bar, on va le garder ici, c'est sûr. Est-ce que je garde le pilier? C'est une autre question. Parce que j'avoue que le pilier, c'est bien, mais... Est-ce que je peux le modifier peut-être? Attendez. Changer le style. Changer la taille. Ah, c'est vrai qu'on peut changer la taille maintenant. Modifier alors le style, on a quoi? On a du bois flotté, bois machin, on peut le faire en pierre, j'imagine. Ouais. En pilier de pierre, j'avoue, ce serait pas mal, mais un pilier de bois, après, ça dépend de comment c'est foutu. Pourquoi pas, hein? Ah, en vieux plâtre. En plâtre, en vrai. Alors, attends, on a soit peint en stuc, ah, c'est ouais, c'est moche. Soit en vieux plâtre, effectivement, comme on avait déjà, soit en plâtre vénitien, et ça, c'est dégueulasse. Sachant qu'on peut avoir des couleurs personnalisées en choisissant un marbre ici. Ouais, bah j'adore les colonnes bunker. C'est très belle couleur. Très belle texture et tout. Les couleurs bunker, c'est incroyable. Là. Ah, en mélèze, ça serait bien. On n'avait pas du mélèze. Hein. Clairement.
Putain, en vrai, ça? Ah, oh, c'est à réfléchir. Je pense que on peut garder la colonne hein, si je me débrouille bien. Il y a moyen de moyenner quand même sur la colonne. Alors, on a refait l'entrée de sorte à ce qu'on était à peu près centré. Je sais qu'on ne pouvait pas le centrer entièrement parce qu'on n'était pas sur un bon ratio taille machin. Mais alors, du coup, là, on a l'entrée ici. Il faudrait qu'on puisse avoir un petit salon. Attendez, je vais juste vendre cette merde. Qu'on puisse avoir un petit salon. Donc genre, on arrive dans l'entrée, ici on se change, on se déchausse, son machin, là, bah, peu importe, hein, on pose nos affaires. On rentre, et là on pourrait tout à fait... Alors j'imagine. Okay, c'est pas ce que je voulais, mais pourquoi pas. Moi je voulais dans le magasin. J'imagine. Intérieur. Je suis très curieux d'un truc. Alors, au niveau des cheminées, on a quoi? On n'a que trois styles de cheminée. Même pas des poêles. Si, il y a un poêle à bois, mais il est moche. C'est un poêle à bois. Ok. Bon, alors attendez. Salle de bain, lit, meuble de cuisine. Alors, est-ce que ce serait pas dans construction quand même, ce genre de truc? Ça, c'est bien ça. Faire des garages et tout, ça. Pareil, il y a moyen de faire des trucs sympas avec tout ça. Allez, ils sont tous là, c'est bien ça. Alors, on a un climatiseur, très bien, c'est un climatiseur, je vais peut-être les mettre. Mais on a aussi des cheminées. Alors on a trois cheminées forcément, on n'a que ça. C'est parti sur une cheminée très simple, hein, limite cheminée électrique en fait. On va partir sur celle-là. On a quoi comme style par défaut de proposer? Ça c'est dégueulasse. Ça c'est pas mal ça. Celle-là, elle est pas mal non plus. C'est moche. Ça c'est fouet. Pas, on peut partir là-dessus. Attendez, on va partir sur la cheminée. Attendez, on va faire un truc. Cheminée. Salon n'est pas forcément obligé d'avoir une télé, on rappelle, hein, c'est juste. Voilà. On part sur la cheminée, ouais. Faut que je refasse tout d'abord. Je suis en train de réfléchir à ça. On va tout refaire d'abord. On va tout repeindre. Construction. Finition de surface, peinture. Alors, on a quoi sur les panneaux? Ah ça, il y a plein de panneaux. Il y a plein de panneaux. Papier peint, ouais, carreau. Bon, carreau, flemme un peu. Autre? Autre. Ah oui, pour les trucs au sol, j'en ai pas vu. Okay. Mais on va peut-être partir sur... Alors, soit sur les panneaux. Je réfléchis. Parce qu'après tout, la maison est déjà à moitié-moitié sur le voilà, deux hauteurs. Est-ce qu'on peut garder deux hauteurs aujourd'hui? Je sais pas si c'est vraiment très pertinent. Je pense qu'on va partir sur une nuance de gris. Qui sera plutôt du blanc hein, d'ailleurs. Matériaux, on va prendre un stuc évidemment. Parce que je peux pas trouver ici, merci. On a déjà fait le test. Oui, hop là, c'est parti. On va tout passer en blanc déjà. Et puis on verra après ce qu'on fait. Oh, j'ai pas été jusqu'au bout comme je voulais. Alors sinon, en ce moment, je suis en train de lire les livres de Myst. Il y en a eu trois qui sont sortis il y a une 25 ans, je dirais. Par les auteurs de Myst. Hein. Le Glenn... Mais bref, c'est les auteurs de Myst qui sont derrière. Donc vraiment le lore c'est eux qui le font et ouais, c'était assez intéressant à lire. Mais ça me donne très envie d'y rejouer. Peut-être qu'on le fera en live Myst, le dernier, là, ce qui a été fait, où vraiment tout est en 3D, on peut modifier les. Avec les effets de lumière qu'on doit
On doit... Attends, on va faire un truc, c'est vrai que Peter, je fais ça. Mais... Les effets de lumière qu'on doit à Nvidia, hein, le comment ça s'appelle déjà ça, pas le RTX, un peu le nom de ma carte. Oh merde. Et du coup, ouais, j'ai très envie d'y rejouer, donc on le fera peut-être en live, Myst. Excellent jeu, Myst en plus. Hein. C'est l'enjeu, je suis pas sûr de pouvoir m'en sortir encore aujourd'hui sur le jeu comme je le faisais à un moment donné. J'avais compris toutes les énigmes et tout, c'était un peu plus simple. Enfin, j'ai besoin d'un petit coup de main quand même pour comprendre certains trucs, mais c'est quand même plus facile que quand j'avais 6-7 ans et que j'essayais de jouer au jeu. Mais en vrai, jeu très compliqué, hein. C'est un style très particulier, Myst en plus. Et du coup, le fait d'avoir le lore, parce que là, le premier livre, c'est le livre d'Atrus, et Atrus, c'est littéralement le perso principal, finalement, qui est derrière tout dans Myst. Donc, bah, c'est lui qui a écrit le livre, en fait, simplement. Dans le jeu, par lui, là. C'est pas dégueulasse de voir à quoi il pensait, ce qu'il a vécu, etc., pourquoi il en est arrivé là. Et on retrouve des persos qu'on voit dans les jeux, et c'est plutôt chouette. On peut allumer les feux maintenant, ça y est. C'est cool. Le sol, alors le sol, bonne question. Vu qu'on est sur un salon, est-ce qu'on ferait pas un sol ouais, on garde un truc comme ça, mais pas de cette couleur, quoi. Finition de surface. Bon, là, on va regarder sur les panneaux. Alors. Sur les panneaux, alors c'est soit les carreaux, soit les panneaux, je sais pas encore. Enfin, des carreaux, je pense. On va prendre des carreaux. J'aime bien celui-là, là, ça fait bien ça. Pas que ce soit non plus des nôtres. Faut pas que c'est de trous avec le reste, mais garder un truc gris. Je vois que j'ai essayé de faire un truc gris-blanc la dernière fois. C'est d'insister sur un truc gris-blanc un peu. Ça, c'est ce que j'ai mis. Ça, c'est ce que j'ai mis sur les murs, ça, on est d'accord. Oui, c'est pas bien ça. J'aurais pu faire une répétition avec le mur ici. Oui. Alors, motif de coupe, faut qu'on trouve un truc qui est pas dégueulasse. Ça, c'est pas mal. Ça, non, ça passe pas. Ça, c'est bas, c'est lisse, quoi, c'est con. Ça se passe pas non plus. Ça c'est bien, ça j'aime bien. En taille, on prend taille normale, c'est bien. Couleur, alors par contre la couleur, ouais. On va essayer de trouver un brun un peu chaud, mais pas trop. On va partir là-dessus. Hein. Niveau de la rotation, est-ce que je. Oh, on verra. Je le changerai ici. Je pense que j'en ai pris deux parce qu'à chaque fois je prévois par rapport à ce que je connais d'AO Super 1, mais en fait j'ai capté déjà depuis un petit moment que c'est pas aussi gourmand en ressources à AO Super 2. Il y a moyen de très vite d'arranger en fait avec peu. Genre là, le pot de peinture d'AO Super 1 il suffit pas à faire la pièce, hein. Clairement. Même avec les compétences au max et tout, c'est. Mais là, je pense que pour ce... Ah. Je pense que pour ce genre d'endroit, c'est pas mal. On va continuer. On va mettre tout le bois sur le bois. Et après, c'est pour le mur. Mais là, je pense. Déjà, on a un truc un peu plus chaleureux, quoi. J'aime bien. Maintenant, alors,
On va revendre. Donc ça, je pense qu'on va rester là-dessus au niveau du sol. Ça, on va revendre. On va mettre ça là. Hop. On va décaler d'un cran ou deux. Ouais, c'est pas mal. Pas trop mal. Et ce qu'on peut faire ici éventuellement, c'est mettre une partie marbre en neige comme ça là, en finition de surface, pour que ça fasse le tour. Parce que normalement, on n'est pas censé mettre une cheminée directement sur du bois, ça va cramer, c'est vraiment con. Je pense qu'on peut se permettre de faire une petite folie comme ça. Chercher le marbre neige un peu comme ça là, celui-là. Je sais pas du tout si c'est la bonne couleur, au pire je retravaillerai ça, c'est pas grave. Attends, on va juste faire comme ça. Là, et puis ouais, je pense pas, je pense qu'on va rester comme ça. Ouais, on va rester comme ça. Ça servir. Bon, ça servir aussi. Et là, je le ferai différemment. Je vais faire avec des carreaux ici. Peut-être une couleur un peu différente, genre blanc cassé ou un truc comme ça. Blanc cassé. Et puis voilà, on sera bien. Mais là, je pense qu'on a un bon truc déjà de base. On a une bonne base. Alors déjà, on a ça. J'ai dit que je mettais la clim. On va mettre la clim. Voilà, clim. Elle marche par la force du Saint-Esprit. Ne posez pas de questions, faites pas chier. Alors. Ça c'est un plus, c'est la partie extérieure. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter. Là, du coup, on a ça. Donc après, on repasse à la version maison. On cherche tout ce qui est partie salon. Bon, d'accord, on a des rangements, des éclairages, d'électroménager. Alors, on va partir sur l'électroménager. Non, putain, ouais, ça doit être là-dedans en fait. Cherche une télévision. Rule the Nation. Ah ben ils sont là. Bon, j'ai un écran carrément, j'ai pas fait gaffe. Qu'on va mettre sur le mur. Alors, pas une grande télévision, pas besoin de mettre une très très grande télévision. Ah quoi, même que c'est petit celle-là. Ouais, ce sera ça, c'est de la bonne taille. Ça. Okay. Ok, je pensais que ce serait beaucoup plus grand, mais en fait, non, ça. Alors, attendez, ça se trouve, on peut. Peut changer, ouais, on peut changer l'émission de cuisine, tiens. Ok, ouais. On peut changer le détail, c'est marrant ça, j'avais pas fait gaffe qu'on pouvait faire ça. Quel détail? Je les vois même pas, ça va être derrière. Ça va être l'écran à l'arrière, en fait. Ok, donc là on est pas mal. On a la télé ici, hop, on peut rajouter du coup, alors je pense qu'on va se faire un petit coin canapé. Alors, la question c'est, il faut qu'on laisse un espace ici, on est d'accord, hein, on rentre, on peut se passer. La question c'est, est-ce que j'ai besoin d'une... Ah, attendez, j'ai en train de me dire, est-ce que j'ai besoin de... J'ai envie de réfléchir, j'ai la réponse qui m'est venue toute seule, j'ai besoin de poser la question. On va juste se faire un truc qui est pas dégueulasse. Alors, des méridiennes, c'est bien. Mais... Je pense qu'on va plutôt partir sur celui-là. Plus par défaut, il est pas trop mal. Je trouve qu'il y a bien que le reste de la pièce. Tac, on a... Là, on est ici. Ah, il fait pile poil la bonne taille en plus. Ah, nickel. Je pense qu'on va faire comme ça. Regarde. Alors, regardez. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on pose notre truc ici. Et puis, je changerai peut-être. Elle est peut-être un peu foncée, effectivement. Je changerai peut-être ça. Et ce qu'on fait, c'est que plutôt que de faire une table basse au milieu qui serait au milieu du chemin, alors être un tapis, c'est d'accord, on est tous d'accord pour dire qu'un tapis, c'est toujours mieux pour décorer, hein, et puis pour chauffer un peu. Par contre, au niveau des tables, on va prendre une console. C'est soit on a des toutes petites tables qui sont d'appoint, qu'on peut mettre d'appoint comme ça près du canapé, de chaque côté, genre table de nuit, mais pour le canapé. On peut poser des affaires, etc. Soit... je pars sur une table, vraiment une console en fait, que je collerai au canapé. Mais les consoles me tentent pas et souvent c'est assez haut en fait une console, donc je sais pas si ça.
Ouais, c'est un peu trop. Celle-là, je crois qu'elle ah, c'est quand elle était tout à l'heure, elle était où celle-là, non? Non, ça va, ça... en vrai, ça va. Console là, ouais, ok, on peut. Alors, il me propose quoi comme couleur? Il me propose un gris clair, ouais, un bois, une couleur bois pour le bois en dessous, pourquoi pas, ça peut. En vrai, ça peut. Alors, du coup, il faudrait qu'on fasse la base. D'eau claire, quand même, faut pas déconner. Genre, tu es en bois de quoi, toi? J'ai envie de savoir comment t'es fait. Ok, c'est la tête du chêne. On peut partir sur du bois peint. Comme ça, hop. Un de chaque côté. Voilà, on n'est pas perdant. Hein. C'est pas ce qu'il faut. Comme ça, ici, j'aurai l'espace de mettre une petite table, genre pour deux personnes. Et on peut encore décorer le reste, etc. Ça, c'est encore d'autres questions à se poser. Mais je pense que là, en vrai, on est pas mal. Et on se pose un tapis après. Et on sera très bien. Je considère que là, on est sur un bon mood, là, tout de suite. Alors, c'est pas des accessoires, du coup, par contre, ce serait certainement dans les décorations. Ouais, décoration de sol, c'est ça. On peut écrire des trucs là? Excellent ça. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Attendez. Comment on fait pour écrire? On va pas garder le rhyme ipsum, c'est vraiment con. Non, je pense qu'on peut prendre le cardigan ici éventuellement. Ouais. Ça, non, j'aime pas, c'est bien dans une. Ou alors on le prend vraiment carré, quoi. Alors ça c'est très grand en plus. C'est un peu trop grand ça, j'aurais bien aimé voir un truc plus petit quand même. Encore trop grand. Ah ça c'est pas mal, ça c'est la bonne taille. Ça. Là on est bien là. Là je me rends compte que les canapés faut que je les cale d'un cran ou deux quand même. Ouais, je pense qu'on est bien là. Ça change la couleur mais et puis la texture et tout, mais là on est bien. Alors attendez, canapé on va le décaler. En plus d'un cran, ça fera l'affaire. Ouais, ça va bien. Hop, juste d'un cran, voilà. Attention après. C'était parfait non plus. R. On va faire des changements. Alors, changement. Donc, 100 franges déjà. En base, on va le prendre en. Pas toile de jute, c'est pas ouf, les toiles de jute. Tricot, ouais. Alors. Ouais, super le tapis, quoi. Le tapis en cuir. Tissu, non. Ça, c'est pas trop mal. Ouais, ça, c'est pas mal. En couleur, alors en couleur, on partirait sur un truc un peu plus clair, mais genre pas clair, voilà, hyper clair comme ça. Ou alors, on part carrément sur des motifs. On part sur des motifs et on change les couleurs des motifs, c'est pas faisable. Juste qu'on voit un truc qui soit pas mal. Ça et ça, j'aime bien aussi, ouais. Ah ça c'est peut-être un petit peu trop connoté 60, ouais. Bon, pas terrible. Mais moyen de faire quelque chose là. Hein. Ça j'aime pas du tout. Quand imaginer que c'est un salon, c'est pas autre chose. Ça rend pas bien. Si on peut avoir éventuellement des carrés ou des damiers, ça peut le faire. Ah ça c'est bien ça. Ça je trouve, ouais pourquoi pas. Ça j'aime bien. On va partir là-dessus. En termes de couleur, alors. En termes de couleur, on peut essayer de
de taper sur quelque chose de plus... Ouais, gris comme ça, c'est bien. Et alors, le noir ici, là, on peut essayer de... Qu'est-ce que... Ouais. Ça me saoule. Attendez. Il fait chier, la base. Hop. Mais pourquoi? Pourquoi tu m'emmerdes comme ça? C'est quoi ton délire là? Putain, mais ça n'a aucun sens. Tu me permets de changer la couleur, mais pas de changer la palette. Ah putain, on a une palette complète. Oh, j'ai pas fait gaffe. Et donc on va partir là-dessus, hein. Attendez. Hop. Ça c'est bon pour venir en arrière. Au niveau du détail. On va le faire de la même couleur, je pense, le détail. Comme ça. Hop. Voilà. Bon, là, c'est pas trop mal. Voilà. Là, c'est pas mal. Bon, ça manque après de meubles en plus ici, de mobilier, mais en vrai, pourquoi pas? Je vais le décaler d'un cran aussi. Oui, ben, je l'ai foutu au-dessus de la porte, mais la vérité, c'est que la porte est décalée avec le reste. Si je commence à tout foutre sur la porte, tout sera décalé d'un cran. Ouais, mais c'est pas trop mal. Ça me fait penser qu'on peut bah, refaire tout le bar ici. Et avant ça, on va commencer par refaire la cuisine. Je pense qu'on va la faire en... On va la faire en orange jaune cassé. Je pense qu'on va pas faire sur ça. En termes de peinture, on a quoi? Alors, on veut un petit orange, mais pas trop... Alors ça, c'est plutôt pêche. Ouais, peut-être pêche. Peut-être pêche. On va partir sur du pêche, je pense. Hop. On part sur du pêche. Alors, la partie en question, ça va être... On va peindre le mur déjà. Tout ce qu'il y a là, tout ce qui appartient à la cuisine, ça va être peint de couleur pêche, déjà pour commencer dans un premier temps. On va faire ça. Second temps. On verra pour les carreaux, ce que je mets en carreaux, ce que je où je les pose, lesquels, etc. Premier temps, on fait ça. Déjà, ça permet de voir si c'est pas dégueulasse, dégueulasse. J'ai l'impression que c'est pas chouette quand même. Je suis pas très fan quand même. Je me dis, il y aura les carreaux certainement au-dessus, genre à partir de là, partir d'ici. Mais Ah, je me tâte, hein, franchement. Alors, par contre, ouais, je délimite bien la cuisine, ce qui n'a pas été fait par défaut. Bon, après, on n'est pas obligé de faire ça comme ça, on y va, let's go. J'ai débloqué la compétence, c'est pas pour rien. Et on y va. Tac, ça c'est fait. Ok, bon. À ce orange-là, je l'aime bien. Est-ce que je ferais pas mieux de prendre un orange plus plus quoi? Alors, normalement, je peux modifier ça aussi, je crois. La couleur. Peut-être partir plus là-dessus, là. Ce orange-là. Donne-moi raison, s'il te plaît. Un petit peu trop, ok. Bon, attends, on refait, c'est pas grave.
Du coup, il y aura ce orange là. Sinon, c'est que c'est pas du tout dans la bonne palette. Donc, alors, ça me paraît bien. Ça me paraît... Ah bah voilà, là c'est bien. Ok, bon, c'est parti. Tac. Hop. Alors je suis en train de faire réflexion que je sais pas si j'ai revendu blanc, mais ça aurait été bien que je le fasse pas, parce que j'ai pas fait cette partie-là. Si, évidemment, je l'ai revendu là, mais j'ai revendu. Qu'est-ce que je revends pas, en fait? Je revends tout directement à chaque fois, c'est très chiant. Voilà. Donc, la couleur est mieux. Je préfère... Cette couleur-là est bien. Pour moi, elle est bien. La pêche, tout à l'heure, c'était pas terrible, mais là j'aime bien. Là, l'orange comme ça, c'est une couleur que le frigo et tout. C'est cette couleur-là que je voulais à peu près. Donc, on est cool. On est bien, sachant qu'après, je vais mettre une partie carreau qui va venir sur une grande partie de la cuisine. On va dire toute la partie qui est là. Là, ça va être du carreau. Ouais, ce sera pas choquant, sachant qu'il y a encore tout le bar à mettre ici. Là, on laisse grand ouvert ici. Par contre, il n'y a pas de changement. Le sol, faut qu'on change. Ça va être avec les mêmes carreaux qui sont sur le mur, sont sur le sol. Je vais faire un truc de ce genre-là. Ou alors, on va faire des carreaux très grands sur le sol. Et... genre... Je pourrais pas faire mieux. Quoi. Motif de coupe. Alors ça, c'est bien si on fait ça sur... Motif de coupe, je pense qu'on va pas faire des motifs de coupe. Hein. Parce qu'ils ont mis par défaut. Ouais, si on carreau comme ça, voilà. Peut-être en carreau. On peut le mettre en carreau. Je réfléchis. Motif de coupe, on part là-dessus, ouais. Rotation du motif, alors j'aimerais que ce soit un peu de... Bon, ok. Alors, ça, je voulais faire des trucs giga larges. Couleur blanc, ça me va très bien. Voilà, on va essayer un truc. On va essayer ça, et si c'est pas bon, bah tant pis. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est très très grand quand même. Hein. Là, sur ce coup-là, c'est un peu trop. Bon, c'est pas très grave en soi. Mais je me dis que c'est quand même vachement grand. C'est pas l'idée du siècle. C'est peut-être trop grand ça. Attends. Taille de motif, on va le baisser d'un cran. Et du coup, ça donnerait quoi? Ah, là, on est bien, là. Ça, c'est pas aussi grand que je le voulais, mais là, c'était vraiment trop grand. Là, je suis pas vraiment entre deux, parce que là, il y a quand même... Bah, ils ont triplé la taille, quoi, j'ai l'impression, c'est dommage. Là, on est bien. Là, non, ça fait vraiment cuisine, c'est bien, c'est... grande cuisine. Alors, ensuite... Est-ce que j'ai des améliorations du coup? Parce que j'en ai pas d'autres là, on est d'accord. Vente de maison, j'ai compétences. Ok, ouais. Ah, c'est quand j'utilise mes sens de flipper. Ok. Les sens de flipper sont en alerte. Là, je pense que. Ouais, faut vraiment que je fasse mode de cuisine et que je regarde pour un bar, quoi. Pas du tout. Salut Pélia. Eh, c'est fou, hein. Je vais peut-être pas rester encore très longtemps, mais c'est parce que j'ai reçu des mails de la part de Twitch qui dit que je suis quasiment affilié, donc il fallait faire des heures en plus. Donc je fais des heures en plus. Moi c'était une heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, je crois. Moi c'était une petite heure, quoi. Bon, du coup je les ai dépassés, mais on va continuer, au moins finir ce que je suis en train de faire, et puis je m'arrêterai peut-être après. J'avoue, je commence à fatiguer un petit peu.
C'est bien, t'as fait tes heures. Ouais, non, mais littéralement. En fait, il manquait quelques heures pour passer affilié Twitch. Et si je passe affilié Twitch, j'aurais peut-être plus de facilité, on va dire, à avoir des clés gratuites pour faire des jeux en live. Et donc faire des lives un peu plus régulièrement. Basé quand même sur mon vrai travail, c'est un peu plus important. Mais voilà, quoi. C'est dans l'idée, ce serait ça. C'est de faire quelque chose. T'as compris quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du rangement, des tas. Est-ce que ce serait pas dans table? Putain, il n'y a pas des barres. Si je cherche barre, je trouve rien, j'imagine. Tabouret de barre, ouais, c'est bien, un tabouret de barre, mais on n'a pas de barre. Barre. Ah putain, on a des moulures. J'avais pas fait gaffe, on peut faire des trucs comme ça, c'est trop bien. Ah mais attendez, c'est. Ah, ça peut être une idée, hein. Attendez. Il y a moyen de faire quelque chose, quand même. Départ ici, là. Hop. Ah, attendez. Ah bah oui. Oui, il y a moyen de faire quelque chose là. Ça, alors ça fera 13 années 70, là, c'est terrible ça. Alors oui, mais le problème c'est qu'en barre, on a ça. Alors, il s'appelle comment ça? Scaldi Futuro. J'aime bien Futuro. D'ailleurs, Futuro, ils ont pas des trucs Futuro hein hein, ils ont pas? Oh, si, ils ont des trucs Futuro. Bah non, ils ont rien Futuro, évidemment qu'ils ont que dalle. Oh. Avant c'était bien réparti, tu as trouvé facilement les trucs. Bah oui, là t'as des armoires, des meubles de cuisine. Oui, t'as des trucs, mais. On va retrouver dans les meubles de cuisine, on va essayer de faire quelque chose avec ce qu'on a, hein. C'est pas grave. On va prendre des meubles autoportants déjà pour qu'on ait que là-dessus. Et puis on va essayer de faire. Je suis pas convaincu. T'as des tabourets de barres. Il n'y a pas les barres qui vont avec. Ça m'en ouf. Ils ont fait des rangements un peu plus clairs, mais vite fait. Hein. Hey, on a des meubles de cuisine, c'est bien, mais putain, c'est pas ce que je veux, quoi. Elle est où la bordure, là? Ça c'est beaucoup trop large, je suis en train de capter. Non, c'est trop. C'est trop. Faut que je trouve un truc qui soit moins large. Ça peut être pas mal ça. Attendez, on va reprendre le Quing. C'est toujours trop large, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Ah oui, mais là ça fait chier ça. Regarde, cette partie-là c'est bien, mais. Attendez, on va tenter des choses. On va tenter des choses. On va faire alignement sur la grille, ça sera plus simple. Un grand meuble, prêt. Voilà. Normalement, si ça n'a pas changé, si c'est vraiment comme c'était prévu à la base, on a pile poil la taille. Ouais, c'est ça.
Mais c'est en merde, on n'a pas toute la partie là. Alors, est-ce que je pourrais pas faire ça? Alors, comme ils avaient fait avec des étagères qu'ils ont accolées au truc. Donc je réfléchis à ça. Alors maintenant, il faudrait que je passe à un meuble fonctionnel. Genre voilà, c'est pas mal ça. On est quoi? On est sur l'escalier, nous? Je suis escalier. Escalier, hein, escalier mode de cuisine. Petit évier sous basque, hop. On va mettre là. Essayez de garder le frigo. Alors non, en fait, je suis en train de réfléchir parce que le frigo, c'est exactement ce que j'ai chez moi comme configuration. Et je vais pas vous mentir. Une configuration de merde. Alors, ça, et puis on aurait besoin d'un four. Oh, le four. C'est pas le four. Parce que là, on a ça. J'ai réfléchi à ça, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est pas terrible. C'est que, en fait. Alors, je sais que c'est un jeu, qu'il n'y a pas tout ça, etc. Mais le truc, c'est que chez moi. J'ai ma plaque de cuisson, j'ai pas de place. Donc j'ai ma plaque de cuisson qui est littéralement collée pratiquement en fait au micro-ondes. Donc là j'imagine le frigo, mais non, il disparaît. Et en fait ça éclabousse en permanence et je passe ma vie à faire à nettoyer. Sauf que le problème c'est qu'à force avec les trucs chauds, etc., mon micro-ondes, je peux le nettoyer tant que je veux, il y a des traces qui ne partiront plus jamais. Ça m'emmerde. Je déteste ça. J'ai l'impression que c'est crade simplement, alors que bon, je nettoie, hein, mais. Mais du coup voilà, ça, j'ai exactement pensé à ça au moment où je posais ça ici. Je me suis dit que c'était peut-être pas l'idée du siècle en fait. Coller ça dans le fond. Là, dans le fond, c'est proche de la fenêtre quand même. On va mettre ça là. Et puis là, on va essayer de trouver un four, n'importe quoi, puisse le faire. Il y a des fours, hein, mais. C'est de la bonne taille, toi? Bah oui. Voilà. Petit four, petit machin. Là, on est bien, là. Et franchement, en vrai, là, faut juste que je modifie ça ici pour que ça passe en blanc. Voilà. Mais dans le concept, on est pas mal. Alors, ça, c'est cool. Ça part ici. Regardez ce carreau-là qu'on va modifier pour mettre après d'autres carreaux au mur. Ici, toute la partie là, là. Comme je vous ai dit tout à l'heure. De bout en bout. Hein, on va vraiment partir. On va garder l'orange ici, si vous voulez. Mais on va partir sur un truc qui va couvrir, on va dire, jusqu'ici. Est-ce que je mets des meubles en hauteur? Je réfléchis à ça, c'est vrai que c'est pas con, ça comme question. Non, je pense pas. Surtout qu'on a ça derrière, on a ça derrière, ça a retapé aussi. Donc non, je pense que là on est bien. On va juste faire des modifications. Tac, niveau de la couleur, hop, modifier couleur. On va partir sur une toute autre palette. Pas du tout. Pas du tout. Je pensais qu'on pouvait prendre du blanc, mais pas du tout. On est obligé de taper ça comme couleur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ça, on va le modifier. Ça, faut que je le repeigne. Alors, je vais peindre en blanc. Pour le coup. Ouais, si on va le peindre entièrement en blanc. Faut que j'achète une peinture, ça fait chier. Peinture, on a pris laquelle, la nuance de gris, c'était blanc, hein, du coup. Hop, voilà. C'est pas totalement fait, mais c'est pas grave, c'est très bien. Et ensuite, ça. On va me changer. Alors, du coup, on va partir sur un truc en bois. Hein. On va partir sur un bois personnalisé. Qui soit pas. Voilà, celui-là était pas mal. Le bois poli était pas mal. Il rendait bien aussi le hêtre. On part sur évidemment une couleur plus. Plus claire. Mais sans pour autant partir sur, sur voilà, de la pierre. Alors, il y a moyen de se faire voilà, du granit, etc. J'ai pas envie d'avoir du granit, je veux vraiment avoir du bois.
Le hêtre, j'aime bien, et le bois poli, j'aime bien. Faut juste que je me décide. À partir sur le bois poli, je pense. De quelle couleur le bois poli? Le bois poli sera de couleur clairette. Voilà, comme un genre de blanc. Tout bling. Voilà, on s'est pas chié, et on met, voilà. Bon, en vrai, il y a un truc. Il y a des trucs quand même avec certains motifs là qu'on peut faire sur cette colonne. Hein. Enfin, je le ferai pas là, mais c'est bon à penser pour d'autres fois, ça. Si je faisais un truc un peu spécial. Si je partais dans un style années 70, 80. Ah, il y a moyen de faire quelque chose en vrai. Hein. Hop. C'est pas mal. Je trouve qu'on est bien là. On a bien voilà, retaillé le truc, remis tout ce qu'il fallait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Attends. J'ai mis ça, voilà ce que j'aime bien. Là, on a bien notre télé, notre truc avec bah, pas de table basse du coup, mais deux petites consoles de chaque côté du canapé. Le tapis, évidemment. L'entrée qui a été faite la dernière fois, ça c'est bien. Donc là, déjà, on est sur un truc un peu plus voilà, plus correct quoi, au niveau de. Au niveau de ce qu'on voulait en fait, tout simplement. Ah. Hop, ça c'est fait. On fait ça aussi. La fenêtre, évidemment, va être retapée. Celle qui est dans la cuisine. Pour correspondre au reste. Donc on va faire un copier-coller de ça. De style. Alors, comment on fait? On fait copier le style. Hop là. Coller le style. Hop là. Là. Ça en est un peu plus dans le reste. C'est un peu plus correct. On est sur un truc plus propre. On garde le style général. Niveau des portes, c'est une autre question. Ça, c'est une porte extérieure aussi. Est-ce que je ferais bien de copier le style, je pense aussi. Copier le style. Coller le style. En vrai, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal. Voilà. On a un truc qui est plutôt correct. Ça, et ça, du coup, on a dit qu'on le modifiait. Changer de style. Ça, on va passer sur. Très petite. Taille du motif 0. Rotation. Ouais, on va pas y toucher la rotation. J'avais essayé de toucher la rotation ici, mais je l'ai pas fait au final. Voilà, donc là, on est parti sur. Hop, on va plutôt prendre du taille 3. Tac, tac. Ah. Scheiße. Chasse à toi, mon frère. Alors, on va le monter peut-être d'un cran ou deux encore. Ouais. Je pense que c'est trop ça. Je suis pas sûr que ce soit. Ouais, quoi que. En vrai, je trouve ça pas trop mal. Hop, alors. Évidemment, évidemment, je peux plus le poser. Putain. Nick. Incroyable. Avant je pouvais le faire, je peux plus. C'est une connerie abyssale ça. Ça gonfle. Qu'est-ce que mon merde là? T'allais très bien tout à l'heure, là tu veux plus? C'est quoi qui te fait chier? C'est l'ordinateur qui fait chier. Non, par contre ça a aucun sens. Pourquoi ça passait et que là ça passe plus quoi? Ah mais attends, il n'y a peut-être pas de tablette tout à l'heure, c'est de faire la modification. S'il n'y a pas de tablette, effectivement la tablette m'intéresse pas dans la cuisine. Je pense que c'est ça le problème. Changer de style, tac, on va retirer la tablette. Appui de fenêtre sans. Ouais, ça, il n'y a pas d'appui de fenêtre tout à l'heure. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Ok, je peux pas réfléchir à ça. Ça veut dire que je peux rajouter un après coup. Hop, voilà. Et moi je. Avec les clés évidemment. Tac. Bon, alors, c'est déjà mieux que ce qu'on avait tout à l'heure. Ça, c'est quoi déjà? Ah, c'est que ces deux-là. Je suis con pour allumer celle-là. Ok, ouais.
Et alors dans ce salon, j'imagine que c'est là, c'est une reste. Elle est très très moche cette. On va faire un truc. On va refaire un copie de style. Ça c'est vachement bien d'avoir bloqué, ça m'empêche. Hop. Collé. 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 Collé, collé. Collé. Et voilà. Hop, ça en est bon. On remet en vente. On repasse à la main. Très bien. Bon, là c'est bien, c'est allumé. Ça manque quand même d'une prise ici, mais ça c'est autre chose. Peut-être la prochaine fois, je sais pas. Ça manque d'un meuble ici, d'une bibliothèque, n'importe quoi. Ici, peut-être un tableau, ouais. Tableau ici aussi. Du coup, si j'en mets un là, j'en mets un là, et un là aussi, forcément. Je pense qu'on est pas mal. Ça ressemble déjà plus à quelque chose pas de neuf, mais de palais, quoi. Ouais, je repasse. Ah oui, putain, j'ai mis ça. C'est connerie, il faut que je la refasse. Avec le bois qui est ici. Alors, attendez, on va juste copier le style. On va reprendre des panneaux. On va prendre des panneaux. C'était quoi comme panneau, ça? C'était quel style? Motif, pas de motif, ou alors un motif. Non, pas de motif, on va rester sur un truc comme ça. Couleur la même. Rotation 0, on verra si je fais une rotation ou pas, je pense pas. Cette partie-là, je pense pas en tout cas, parce que si la rotation est ce que je pense, normalement on devrait être bon. Donc là. Ah oui, ça va être mieux. Parce que là, le formica, ça a 2 minutes. Bonne idée. Vaisselier en formica. Hop, voilà. Trop mal cette histoire là, si on fait ça comme ça. Ouais, par contre, effectivement, là, ouais, pour qu'on fasse une modif. Changer de style. Là, pour le coup, on va faire une rotation, hein. Pas le choix. Non, ça va être dégueulasse. C'est vrai que c'est la première fois que je vois des poutres en formica. Ça c'est intéressant comme concept. Pour l'instant, on s'en tire plutôt bien. Okay. On rechange ça, hop, on repasse voilà, comme ça, et on est reparti pour les parties centrales. Celle-là et celle-là. Pour le coup, on va mettre entièrement. Alors, je sais que c'est pas parfait, mais pour l'instant j'ai pas d'autre idée en tête pour faire ça bien. Donc on reste là-dessus et puis on verra si c'est bien ou pas plus tard. Pour l'instant, moi je trouve que c'est pas choquant. Et ça rend pas mal. On a la même couleur ici, ici. Quasiment. Enfin, c'est clair. Là, on a la même couleur qu'au sol. Pour moi, c'est plus important que ça soit proche de ce qu'on a déjà que. Que le contraire en fait, que ce soit différent.
J'ai failli repeindre le sol. Voilà, c'est pas mal. Là, il nous restera à faire ça la prochaine fois. Finir de décorer la pièce. Et là, comme ça, j'ai pas d'autres idées qui me viennent. On peut mettre des tabourets, ça oui. Est-ce que je vais rajouter une petite table d'appoint avec. Je pense pas. Je pense que les tabourets et le bar suffiront bien à faire un truc pour manger. Et pourquoi j'ai des trucs là? Quoi? J'avais déjà vu ça, quoi. J'ai peut-être cassé un truc la dernière fois, je sais pas. Je crois qu'on avait déjà fait le garage qui était. Ouais, putain. Je suis trop fier de moi, hein, ça rend bien ce putain de garage là. Ah oui, si, je m'étais fait chier un petit peu, c'est cool. Oh ouais, non, il est bien le garage. Non, je vais bien travailler. L'entrée était vachement bien. Très grise, très blanche, machin. Là, on est parti sur un truc beaucoup plus chaleureux, c'est le salon. On repassera peut-être sur des couleurs comme ça quand on passera sur une pièce différente, style salle de bain, etc. On verra à ce moment-là. Mais là, comme ça, tout de suite. Peut-être reprendre ça ici et faire peut-être tomber un rideau à ce moment-là. Je sais pas si c'est possible de faire un truc comme ça. On sent une porte, ça me ferait chier d'en mettre une. On mettra une si vraiment je constate que bah, y a pas d'amélioration à faire. Mais là, comme ça, c'est pas mal. Bon, là, déjà, on est bien. On sauvegarde. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait des. C'est vrai que j'avais acheté une maison à refaire aussi, à faire qu'on occupe. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait des c'est pas dans l'in-game, parce que ça, c'est le mode histoire. Où on achète et on revend des maisons. L'autre mode, c'est le mode sandbox où on fait un peu ce qu'on veut avec les maisons, on essaye des trucs, on n'a pas de limite d'argent, si j'ai bien compris. Donc vraiment, voilà, tout est très bien. Ouais, ça sauf comme chez moi, hein, j'ai pas trop de place non plus. Hein. Voilà, c'est bien. Non, vraiment, là, ça rend bien. Ah, mais ça manquait, attendez. Là, j'y pense tout de suite, on va le faire. Électroménager, ça. On essaie de trouver une petite plaque à induction qui est pas dégueulasse. Ça c'est pas mal la première là. Hop, on va prendre celle-là. C'est qu'on a utilisé pour la mission tout à l'heure en fait. Hop. Et voilà. Elle est de travers, évidemment. J'ai pas utilisé le bon format. Voilà, donc placement, ça c'est fait. On a quand même une cuisine fonctionnelle, qui est belle, qui est chouette. On a réussi à garder le pilier qu'on avait par défaut, on a juste modifié un peu. On a tout changé à ce niveau-là. La pièce ressemble à quelque chose là, ça c'est cool. Mais si je me dis que je pourrais peut-être. Fais voir hein, si j'appelle ça. Peut-être que c'est pas trop dégueulasse si je fais ça comme ça. Oui, ça passe même mieux. Après, il faudrait que je mette des meubles en fait, du coup, dessus. Pas le choix. À réfléchir à cette histoire. On réfléchira à ça. Là, c'est sauvegardé. Hop! Hop. Voilà. Je me rends compte que j'ai pas mis de lumière du tout. En fait, j'ai lancé le live comme ça, mais hop là. Moi j'ai pas de coupure aujourd'hui, c'est bien, ça tient ces derniers temps. C'est cool, ça fait deux lives que je fais comme ça qui n'ont pas du tout de coupure, et ça c'est cool. Je pense pas qu'il y ait d'amélioration sur le service, mais quoique je retape mes 3000 kilobits que je tapais plus depuis quelques temps, peut-être bien que ça reprit quand même. Bon, bah du coup, j'ai eu 0 perte, ça c'est cool. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais content de reprendre. Et puis comme ça, en plus, je peux prétendre à mon affiliation avec Twitch. Ça ne changera rien à ma vie, ça ne changera certainement rien à la chaîne, mais c'est cool. Donc voilà, je vous remercie d'être passé. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!